Summer. Excusez-moi, 1 minute. Partager, hein? C'est pas pour durer, hein? Il ne dure pas. Hein? Parce que j'ai un direct à faire à 22h aussi. Faut pas chercher à comprendre. C'est comment? Comment je ne tue pas, hein, je vous ai dit. Donc partagez le direct, que le direct soit partagé. Et bipez moi cette vieille cruche de Watatopine. Wata, pourtant la musique, Wata ou bien Wata, je sais pas ton nom là, c'est quoi. Watako, Watapi, Watako, putz. Il faut me la biper, s'il vous plaît, merci. Tellement ces personnes, cette vieille conne. Ces garçons, moi, c'est pas moi. Je ne sais même pas ce que genre de modèle. Bipez-la moi. Bipez-la moi s'il vous plaît. Bipez-la grande mère qui est remplie de haine là. Bipez-la, 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 bipez-la. Bipez-la, bipez-la vite. Et n'oubliez pas, mesdames. Tellement il fait du sale. Tellement il fait du sale. Ça me fait rire. Tellement il fait du sale. Tellement il fait du sale. Ça va se casser tout à l'heure. Tellement il met pas. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Et il fait du sale. Tout à l'heure. Et. Hier, on la toile pote, pote, ça. Hier, on la toile pote, ça, pote, ça. Partagez. Moi, mais il n'est pas partagé aujourd'hui. Tellement il fait du sale. Il n'a pas envie de parler. Il ne partage pas. Il vous laisse partager. Il fait du sale. On peut faire ça. Tu peux être vieille et vilaine comme ça. Hein?
Et puis tu te promènes sur Facebook. On peut faire ça? Vendredi. Tout le monde est prêt, vas-y, ça vous danser. Oh, quand tu es assise là, tu sais trop danser. Hey! Hey! Chaque jeudi, incroyable. Non, non, non. J'ai dit que 20. Hein? Toutou. Toutou. Hey, 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 hey. J'ai dit que. Hey! Hey! Vous les bipez ou pas? Comment ça dit à cette femme à la gauche froissée là, de prendre place? Sans oublier 189 kilos de langue. Et leur grande mère qui est de l'autre côté du Canada. Sans oublier celle aussi que ses cheveux ne terminent pas là. Vous allez tous prendre place. C'est vous qui êtes allé à l'école pour arriver loin. C'est vous qui êtes allé à l'école pour arriver loin. Sinon, moi je ne comprends pas des gens. Déjà bonsoir. Si je ne me présente pas, ça n'a pas de sens. Si je ne me présente pas, ce direct n'a pas de sens. Donc faites monter et partagez le direct. Et pause publicitaire. Pour avoir des injures doux et sucrées à la contre de Kamé. Comment elle s'appelle même? Watakoputs. Et de 189 kilos de langue. Sans oublier la grande mère qui a beaucoup de corps. Et celle qui m'en dit les messes pour se tisser. Abonnez-vous sur ma page. Et là, ça, c'est la petite pause publicitaire, la vraie pause publicitaire. Pour avoir le teint de Aya Robert. Celle-là même qui pique. Tchou! Tchou, 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 zizi, tchou, zizi, tchou. Voilà ce teint-là, maman. Maman, pour avoir ce teint-là, le teint que vous voyez là, il n'y a qu'un seul numéro pour ceux qui sont en Europe. Un seul numéro pour ceux qui sont en Afrique. Donc, vous connaissez où? 06-00-333. 06 05 94 03 62. Et pour Abidjan, voilà le son qui m'inspire. Et pour Abidjan, 00 225 08 56 57 95. Les produits sont disponibles. Il reste que les deux gammes là, c'est tout. Il reste les deux gammes là, c'est tout. Après là, le reste je peux vendre en détail. Il aura lotion en détail. Il aura savon en détail. Voilà, il y a savon, il y a lotion, il y a huile qui est vendue en détail. Tout le reste là, on ne peut plus vendre en détail. Vous connaissez déjà les savons du bonheur. Appelez les numéros pour le savon des miracles et puis le thé aussi que vous connaissez. Wonderful. Ce thé là qui fait les miracles. Et ce savon qui enlève tous les esprits mauvais dans le corps. Il faut appeler les numéros que vous connaissez là. On va commencer notre direct. Je dis, il y a des gens qui vont dire que vieillir c'est une grâce de Dieu. Il y a des gens ici qui diront que non, vieillir. C'est une grâce. Bipez-moi mes frères camerounais là. Ils vont venir m'aider. Parce que Watakolog, Watatoputs, cette vieille vache, cette sale vieille qui est remplie de haine, cette vieille même que son menton est froissé comme ça, que je vais prendre mon fer à repasser pour, dé,
pour repasser son menton. Cette vieille qui ressemble à un travesti, à savoir même si ce n'est pas un travesti, cette vieille au bras coucou des nez. Maman, tu vas sauf que prendre ton tabouret. Parce que tu étais dans tous les commentaires. Tu es toujours en bas, en train d'insulter les gens. En train d'insulter les gens. On ne te connaît pas. Affaire des Ivoiriennes, ton con froissé est dedans. Affaire des Camerounais, on dit les Camerounais, mais ils t'ont descendu comme ça, fio, 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 fio. Tu as atterri chez les Ivoiriens ici, là. Nous, on va te mettre dans moitié, puis on va te piler. On te met dans moitié. On va mettre j'aime sur toi. Et puis on va mettre poudre, comment on appelle ça même, cendre. Parce que toi, là, c'est les cendres de chabre, cendres de bois, là. Tu vois, les gros bois du village, là. Quand on met pour briser les moutons, les peaux de moutons, là. La cendre, là. On va verser ça dans le moitié. Puis on va te piler, maman. Chez nous, là, ça sera terminus. Oui, oui. Vieille frustrée. Cette vieille chienne, là, même, qui est aux États-Unis, quelque part, dépaysée, là-bas. Qui vit avec un vieux pancho, un vieux blanc désespéré. Qui a fait enfant, des enfants bâtards avec des Camerounais, des Bamlékés. Et qui est frustré dans sa chair. Qui est frustré dans sa chair, je ne vous le dis pas. Et qui crée un faux profil, qui met le visage d'une jolie fille. Attends, ça peut être ton visage ressemble à maille fumée. Ça peut être ton visage ressemble à testicule froissé. Ton visage, on y a les testicules de ton gars, ton vieux blanc, et qui tu vis aux États-Unis froissé. Là. Ton visage froissé, on y a les testicules. Cloye de ton vieux blanc que tu n'arrives pas à bien faire la pipe là. Hein? Cette vieille frustrée qui est remplie de haine, cette tolole, si, qui prend son temps, on sait même pas c'est qui, elle est en train de mettre la haine dans au milieu des Ivoiriens, toujours en train de venir faire des commentaires. Tu me connais où, maman? Et puis tu parles de moi, tu ouvres ton con pourri là. Ton con qui pue à travers tes commentaires, et puis tu parles de moi, tu es sérieuse là? Tu es sérieuse? Je vais vous montrer la grand-mère en question. Si, il faut que je vous la montre bien en la zoomant. Vous allez voir à quoi cet imbécile, cette stupide de vieille conne, si, à quoi elle ressemble. Elle voulait courir dans notre tête, disant c'est pas toi. Hey, c'est toi. Si c'est pas toi, fais un direct, on voit. Si ce n'est pas toi, Watakon pourri, fais un direct, on voit. Oui, fais un direct et puis on voit. Pour nous montrer que ce n'est pas toi. Les Camerounais t'ont démasqué. Les Camerounais là, ont versé Javel sur toi. Ils t'ont trappé dans l'acide. Ça ne t'a pas suffi. C'est sur nous que tu es arrivé. C'est sur nous que tu es arrivé. Attends. Je vais vous montrer la vieille conne. La vieille chouette. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Ok? Tu veux la pub, non? Tu veux devenir star? Tu vas devenir star, maman. On va te rendre star, t'inquiète pas. Si. On va bien te rendre star. Vieille dépravée, là. Attends. On va aller pas à pas. Regardez comment quelqu'un sur la terre ici peut faire ça. Regardez les photos. Regardez les photos que cet imbécile allait mettre sur son profil. Regardez la personne. Quand tu regardes cette fille-là, regarde comme elle est belle. Et quand je vais vous dire que... Regardez les photos, regardez. Hein. Attends, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Voilà. Mes ongles, il y a l'enlever ça de me faire court. Ça me fatigue. Regardez les photos. Et puis, je vais vous la montrer. Ça, c'est les photos qu'elle a mises sur son faux profil. Hein.
Et je vais vous la montrer. Je vais vous montrer son père. Je vais vous montrer sa vieille chouette de mère. Voilà. Regardez-la. 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 Regardez-la, Watakopute. Qui est en bas des commentaires en train d'insulter les gens matin, minuit, soir. Je zoome pour que vous voyez, non? Regardez-la. Regardez le cou froissé. Comme les testacloïdes de son vieux blanc et qui est vu aux États-Unis. Là. Le vieux blanc qu'elle n'arrive même pas à mettre bien. Et puis, elle passe son temps à venir faire les directs. Là. Je vais bien vous la montrer. Je vais montrer tous ses parents. Ne vous inquiétez pas, je la récupère. Regardez-la. 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 Regardez le modèle. Regardez le modèle. Tête on dirait calebasse. Regardez le modèle. Regardez comme elle est froissée de partout. Regardez comme elle a le corps froissé de partout avec les bras de nez. Si, si. Regardez-la. Je vais montrer son salaud de père qui a engendré cette vieille conne là. Regardez la tête du père. Ça, c'est son papa qui est là. Il faut avoir un père comme ça pour faire un enfant bâtard. Un enfant, c'est une vieille qui n'a pas d'éducation. Regardez, voilà son père ici. Et je vais vous montrer sa mère. Moi, je vais jusqu'en profondeur. Moi, je ne suis pas dans les trucs à deux. Je la regardais, hein, je dis celle-là. Le jour, je l'attrape. Et regardez sa pute de mère. Si, si. Regardez sa pute de mère. Regardez la mère, la même. Regardez sa maman. Et puis, voilà sa soeur à côté. Donc, c'est une Guinéenne désespérée. Une Guinéenne qui vit aux États-Unis. Qui a fait des enfants avec un Bamléké. Avec des Bamléké. C'est-à-dire les Bamléké, ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, c'est des Camerounais. De toute façon, nous, on a baoulé chez nous, on a ébrié et puis on a bêté. Là. Au Cameroun, là, il y a Bamléké. Je dis, moi, ma page, on m'a restreint. Je ne suis pas d'accord qu'il y a 600 personnes qui me suivent. Ça ne me plaît pas, hein. Il faut partager le direct, là. Je ne suis pas d'accord, hein. Tu sais, mes attaquants, je suis très fâchée, vous deux jours, là, hein. Parce que vous n'êtes pas motivés du tout. Vous n'êtes pas mes attaquants, vous n'êtes pas motivés. C'est est-ce que vous me voyez, vous, j'ai deux. Je suis très fâchée, vous n'êtes pas motivés. Voilà, quand vous venez sur le direct, là, prenez le temps de partager. Inscrivez-vous dans beaucoup de groupes. Et puis, partagez. C'est ça qu'on appelle une attaquante. C'est ça qu'on appelle un attaquant. Mais je ne sais pas. Je suis très fâchée avec vous. Hein? Ça, il faut que je vous le dise. Il faut partager le direct là qu'on montre. Que je suis en train de parler de cette vieille conne là. À qui je vais donner de la visibilité. On est 600 personnes. Vous êtes sérieux là? Je coupe le direct. Je vais me coucher. C'est vous qui avez besoin d'être affairé. Partagez le direct. Après Agbaman, loup papa d'Agbaman que je détiens dans mon téléphone ici. Je gratte mon menton. Je gratte mon menton. La Canadienne là aussi là. T'as beaucoup de corps. Et puis la plaisantine qui commence à se tresser ici et puis ça se termine pas là. Elle aussi, son papa, tout est là. Oui, tout est là. Nous, on vous laisse le temps de parler de nous. On vous laisse le temps de parler de nous. Mais quand on se lève là, c'est pas bon. Ça va se caser. Il faut partager le direct là. Je coupe, je vais dormir. Si, si, je n'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai mon loup direct ce soir à faire. Donc ça là, je coupe, je m'en vais dormir. Et puis j'attends mon direct. Voilà, parce que vous n'êtes pas motivé apparemment, je ne comprends pas là. Partagez et repartagez. Jusqu'à ce qu'on vous dit que vous ne pouvez plus partager dans les groupes. Aujourd'hui là, partagez. Parce que cette vieille conne là, elle est partout en train d'insulter. Activez la haine. Hey! Attends, moi-même je partage. Il y a ma mère qui me soutient.
Allô, maman. Allô? Bon, attends, je te rappelle. Je suis en direct, maman. Je suis en direct. Non, dès que j'ai fini mon direct, je t'appelle. Pour bien, tu aimes bien me parler. Ok, donc à tout à l'heure. Répète l'enfant béni de Dieu. J'ai dit que ra. Alors là, mon snap en feu. Il est dessus partout à l'heure là. Il y a le vrai papo et le vrai dossier. Sur Facebook, n'allez pas vous ennuyer. Sur Snap, vous n'allez pas vous ennuyer. Sur TikTok, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est Instagram là. Le mois prochain, je vais aller là-bas. Parce que là-bas, là, c'est un peu compliqué pour moi. Aïe. Wouh. Mon snap en feu. Yolé. Vous bloquez mon direct quoi. Mais vous mentez. Watako pute. Ouvre ton con sur mon direct, hein. Cette vieille salope là. Oh, lui n'attend. Chacun entend de parler de son affaire à l'heure là. C'est-à-dire, faut pas m'énerver même lui là. Ne me mentionnez pas dans le direct de pardonner. Une minute et je partage le direct. Watako pute, parce que ton nom là, je n'avais même pas envie de bien prononcer. Watako pute, sale chienne, moi je te dis ça aujourd'hui. Je te dis que tu es une vieille frustrée. Tu vas mourir les yeux ouverts. Tu vas mourir les yeux ouverts. Tu vas mourir la bouche grandement. C'est-à-dire que ta bouche, tu vas mourir la bouche écartée et les yeux ouverts. Parce que tu es rempli de haine. Tu es une vieille sorcière. Il faut avoir le corps de crapaud que tu as là. La gorge de crapaud. Le corps froissé comme tu es là. Les bras de nain. Les bras coucou comme ça là. Accrochés à tes épaules. Là, pour pouvoir être, comment on va dire, aigri. Tu es rempli de haine. Tu es rempli de haine. Des gens que tu ne connais pas. Tu ne viens même pas de mon pays. On ne se connaît pas, tu connais même pas ma vie, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève, à part qu'aujourd'hui j'ai ton dossier que je vais déposer sur la table pour que chacun puisse s'en servir. Et tu ouvres ton con, tu balades ton con sale là, partout quoi. Les Camerounais t'ont traité comme de la merde. Les Camerounais t'ont traité comme du n'importe quoi. Les Camerounais t'ont traité comme de la pourriture. Tu as fui là-bas.
Tu es venu te jeter dans la fête des Ivoiriens. C'est toi une vieille conne comme ça, une vieille désespérée, une vieille dépravée comme toi. Tu te promènes avec ton con froissé là, partout, sur les directs des gens. Et puis c'est toi qui sais donner la leçon de morale aux gens. Madame, montre ton con froissé là, montre ton corps rempli de tests. C'est que je ne sais même pas comment il m'assoit et puis il est bien t'insulter pour que ça rentre dans ton con quoi. Je ne sais pas comment il me positionner pour bien t'insulter pour que ça rentre dans ton con. Parce que tu es une stupide femme. Tu es très, très mauvaise. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est rempli de haine comme ça. Hey! Je n'ai jamais vu ça. Tu vis avec un blanc désespéré là-bas aux États-Unis. Tu ne connais même pas faire des Ivoiriens. Pour où tu viens jeter ta gorge de crapaud là dans nos histoires? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est toi à chaque fois. Aïe, ici, aïe, par là. Tu peux accoucher un enfant comme moi. Quand tu me regardes là, tu peux accoucher un enfant comme moi. Tu peux accoucher une fille comme moi. Hein? Ou bien ton père là. Hein? Ton père là, sa tête, on dirait tortue là. Tête de ton papa, on dirait tortue là. Il peut accoucher un enfant comme moi. Il faut avoir des parents bêtes comme ça là. Il faut avoir des parents maudits, vilains, sévèrement vilains comme ça. Pour accoucher un grenouille, un crapaud comme toi. Si, si. Il faut avoir des parents désespérés de la sorte. Parce que tes parents, là, regarde comme ils sont vilains. Il faut avoir des parents vautoureurs comme toi pour accoucher un singe retraité quelque part là-bas, accroché sur un arbre qu'on a oublié dans le désert. Parce que tu es vilaine. C'est que toi, tu es laide. Tu es très, très laide. J'imagine ta jeunesse, comment tu étais. Si, si. Des femmes comme ça qu'on va venir les insulter, c'est pour dire qu'on insulte les mamans, on insulte les grand-mères, on insulte les... C'est que toujours, oui, les jeunes de maintenant insultent les gens. Une vieille femme comme ça, elle est venue prôner la paix, là. Elle est venue prôner la joie, là. Elle se promène sur les directs. Elle se promène de direct en direct. De Facebook en Facebook. De page en page. Pour prôner la haine. Pour faire des commentaires négatifs. Pour faire des commentaires négatifs. Tu as quel problème, vieille conne? Tu as quel problème, vieille chouette? Ton con froissé, là, tu as quel problème? Tu as quel problème? Regarde comment tu es vilaine. Regarde comme tu es vilaine. Regarde, toi, on t'a pas accouché, on t'a jeté. Si, si, on t'a jeté, de toute façon, on jette tout à terre, là. On dirait, toi, on t'a jeté du ciel. Et puis, tu es tombé sur ton visage. En te jetant du ciel, tu es tombé sur ton visage, puis ça t'a fait bizarre, tout est mélangé sur toi. Ton visage de ton père, on dirait quelqu'un qui a avalé Nivakine. On dirait le visage de ton père, là. On dirait quelqu'un qui a avalé Nivakine. Ta maman, là, c'est gnagnagne, elle mangeait ou bien. Et puis son visage est bizarre, froissé comme ça. C'est gnagnagne, elle mangeait. Parce qu'il faut sauf que manger gnagnagne pour faire ton visage bizarre comme ça. Hein? C'est comme tes parents sont vilains. Regarde comment toi-même tu es laide. Une vieille conne. En plus, une vieille de 60 ans, bien comptée. Qui sort avec un vieux blanc de 70 ans. Et qui a fait des enfants bâtards de partout. Elle n'arrive même pas à voir ses enfants. Parce que ses enfants ne veulent même pas la voir. Ses enfants ne veulent même pas voir son visage. Les enfants de cette dame-là ne veulent même pas la voir. Parce que ce n'est pas une maman. C'est pour ça qu'elle soutient à maman. C'est pour ça qu'elle soutient à maman, parce que c'est les mêmes personnes remplies de haine. Là. C'est pour cela que cette vieille conne la soutient à maman. Parce que si tu n'es pas désespéré, si tu n'es pas rempli de haine, tu es en manque d'amour, quoi. Tu es en manque d'amour. Tu es en manque d'amour. Tu es en manque d'affection. Vieille chienne, tu es en manque d'affection. Hein? Tu es en manque d'affection. Si ton compte te gratte, là. Va sauf que tu as acheté un gods et tu fous ça dans ton con et puis tu fermes ta bouche et tu fais comme s'il y a un jeune sur toi et puis tu fermes tes yeux, tu essaies de t'imaginer que, hein, que un joli garçon comme Yaka comme ça est sur toi ou bien tu t'imagines comme une jolie fille comme moi comme ça là, ma mère dans ton gros con et puis tu penses ça dans ta tête et puis tu essaies de jouir et puis tu fermes ta gueule et puis tu fermes ta gueule. Une vieille remplie de haine comme ça. Tu es zinzin ou bien tu es cinglé? Tu es cinglé, madame. Tu es cinglé.
Mais va te faire soigner. Va faire soigner la bête qui est dans ta tête là. Va la soigner, ça va te faire du bien. Tu es frustré là, c'est de notre faute. C'est de ma faute. Si tu es tombé d'une famille, tu es tombé d'une famille de gorilles, c'est de ma faute. Hein? C'est de ma faute si tu es tombé d'une famille de lait et de laide. C'est de ma faute. C'est de ma faute si ta mère n'a pas bien pris sa position pour te mettre au monde. C'est de ma faute si ta mère a reçu ton sperme là dans son QI. Hein? C'est de ma faute. C'est moi qui ai demandé à tes parents de t'accoucher vilaine comme ça. Et tu es frustré à un niveau où je ne comprends pas. Mais la dame là, elle est dans les commentaires tout en train d'insulter les gens. On a fait quelque chose, on te doit. Hein? Nous sommes de la même promotion. Regardez-moi cette vieille frustrée de Watako. Con pourri. Wata, Dieu va pourri. Ton glace con qui est en bas de toi, là. Que Pin ne peut plus supporter, là. Hein? Ton visage, ton long visage, le visage de ton pendre autour du nord, là. Vous prenez pour qui? Sur Facebook, là, parce que l'homme vous regarde, quoi. Tu es malade. Tu es malade. Va soigner la bête qui est dans ta tête, là. Et puis, regarde celle qui veut prendre position de photo. Celle qui veut prendre position de photo, comme pour les jeunes filles, là. Hein? Lunettes, tu as mis sur ton regard à gla gla. Tu t'es vu? Tu t'es vu? Imbécile, va. Sale chienne. C'est toi, on a regardé pour fabriquer Caraba la sorcière. Si, c'est ton modèle là. Ils ont regardé, puis ils ont fabriqué la dame qui est dans Caraba la sorcière, dessin animé là. C'est ton visage là, ils ont regardé pour fabriquer Caraba la sorcière. C'est toi, c'est tes parents, Dieu a regardé, puis il a créé les singes. C'est tes parents, c'est ton visage, Dieu a regardé. C'est peut-être de ton papa, Dieu a regardé, puis il a créé tortue et crapaud. Tu es malade. Regardez-moi cette vieille chienne là. Va te réfugier dans ton pays. Va te réfugier dans ton pays ou bien en Guinée là-bas, il n'y a pas buzz là-bas. Ou bien les Guinéens là, même s'il n'y a pas bon français dans mon pays comme pour moi là. Faut aller dans ton pays, tu vas parler à tes frères Guinéens là. Tu t'infliges dans notre histoire là, pourquoi? Tu es ivoirienne? Vieille con froissée, bête femme, mouton, mère, sale chienne. Viens encore faire les commentaires. On t'a démasqué, ton cul est dehors. Si, ton cul est dehors, ton coin est ouvert à l'heure là. Ton coin est ouvert sur la toile. Regarde-moi une femme pique-mée comme ça. Regarde-moi une femme pique-mée comme ça. Tes doigts, tes bras, coucou qui sont accrochés sur toi là. Hein? On est, ils ont pris sept. Et puis ils ont pris un morceau de ton bras. Et puis ils ont collé sur ton épaule. Et puis ils ont pris cinq pour accrocher. Pour que ça soit comme ça, pour ne pas que ça descende. Hein? Toi, tu n'es pas nain, mais tu as forme de nain, tu as bras de nain. Hein? Imbécile. Sale chienne, ton con là, tu arrives à laver. Et puis tu viens parler des gens. Hein? Des bonnes femmes comme ma mère font des enfants bien comme ça pour mettre sur la terre. Toi, tu accouches que des grenouilles. Hein? Tu accouches que des enfants qui te fuient de partout. T'as ton père et ta mère ont accouché qu'une salope, une pute comme toi. Une femme, c'est-à-dire que tu es dra comme ça dans la ville. C'est toi qui as te levé, venu sur les commentaires des gens. Et puis c'est toi qui essaie de diviser les Ivoiriens. Tu es né. Toi, tu es né pour venir diviser les Ivoiriens. Tu es né. Si on t'a demandé là, tu es né pour t'attaquer à moi. Tu me connais? Tu me connais? Ton con là, est-ce que ça bat fort pour venir parler de moi à Yahouvé là? Ton con bat fort. Tu me connais? Moi, il a fait disparaître. C'est-à-dire que moi, il a te donné la. C'est-à-dire que tu as déjà atteint la ménopause, non? Hein? Moi, il peut te faire venir tes règles. Sale chienne, tu es née pour parler de moi, tu me connais? Est-ce que tu t'es renseigné qui est Aya Robin? On t'a dit, moi, j'ai peur de quelqu'un. On t'a dit, j'ai peur de quelqu'un. On t'a dit, c'est les gens de ton espèce, là, je vais avoir peur de ça. Tu me connais? Tu me connais? C'est parce que je ne voulais pas te répondre, tu as un faux profil. Je ne parle pas au faux profil. Mais la dernière fois, dès que j'ai dit ton nom, dans mon direct, on m'a envoyé ton dossier. Sauf que j'ai dit ton nom dans mon direct, on m'a envoyé ton dossier. On m'a envoyé ton con ouvert. Et te voici, regarde ton modèle. Regarde comme ton modèle est triste. Regarde comme ton modèle est triste. Tu es un modèle très triste. Ta vie fait pitié. Tu es dérangé ou quoi? Je vais prendre ton évis.
Je vais dévisser ta tête. Puis je vais verser pipi de singe dedans. Je vais prendre ton évis, je vais dévisser ta tête. Je vais fondre sans deux, je verse pipi de singe et puis je cours. Là, ça va t'aider. Parce que pipi des humains, là, je pense pas que ça va aider ta tête. Regarde-moi cette femme mentale, là. Cette débile, là. Ça va pas dans ta tête. Va te faire soigner aux États-Unis. Il n'y a pas de psychologue ou bien quoi là-bas pour te soigner. Hein? Il n'y a pas des gens qui vont soigner ta tête, là. Mais vis en France, moi, je vais fondre ta tête et puis je vais soigner ta tête pour te donner imbécile. Vieille sale chienne. Imbécile, pute que tu sois. Une fille qui se prostitue au milieu des Camerounais jusqu'à... Ça n'a pas marché. Ton bidet n'a pas pris son 6. Parce que tu es nul. Le blanc même, tu vis à lui. Là, c'est un désespoir. Un clochard, tu as ramassé dans la rue. Vous êtes parti faire SOS et puis vous vivez ensemble. Vous êtes dans une petite maison. Donc lui-même, là, il se cherche. Une femme droguée comme ça, c'est toi qui ouvres ton con. Et puis tu es là, tu es en train de faire les commentaires. Et puis tu viens par la petite. Tu fais lisse. Tu as aussi le temps, hein. Tu as le temps de prendre ton temps, ton sale temps de mettre pour faire lisse sur des gens que tu connais même pas. Que tu ne vas jamais connaître jusqu'à ta mort. Si, si. Toi, tu vas mourir, on te met dans un carton pour te jeter dans la terre. Ben, c'est sauf ce que tu mérites. C'est ce que je te souhaite. Je souhaite qu'on te jette dans un carton. Et même là, on verse pétrole et puis on te brûle. Parce que tu es sale et tu es mauvaise. Remplie de haine comme ça, c'est pourquoi. Tu me connais puis tu parles de moi. Tu es née pour parler de moi. Tu me connais. Tu es née avant moi, mais tu ne peux pas parler de moi. Parce que depuis ta naissance, tu ne savais même pas que j'allais exister. On va en repas de ta naissance. Dans l'année à laquelle tu es venue sur la terre, là, tu ne peux pas parler de moi. Et puis je suis née venue te trouver, tu ne parles pas de moi. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Des femmes au confort assez comme ça, des femmes désespérées. Si, si, des femmes désespérées. Une femme au bas, coucou Ayatollah. Une femme qui est la femme d'Ayatollah, elle n'est même pas, c'est pas, on n'a pas dit que là, elle sait que toi-même au Moro, même là, quand on regarde au Moro, la maman, c'est qu'eux, ils sont nés comme ça. Toi, tu es né comme une personne normale, mais tu as leur forme là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Un tête d'attardé qui est sur toi, là. Ça ne va pas dans ta tête. Regarde ton modèle, c'est toi qui mets lunettes dessus. C'est pourquoi. Tu t'es vu avant de porter lunettes, là. Même si on te pressive à ma city, tu ne dois pas porter. Ça ne te ressemble pas? Aidez-moi cette chienne. Cette femme au con profané, là. Cette femme qu'on doit détruire son nien avant de l'atteindre elle-même. Ton con te gratte. Hein? Tu as envie de jouir. Tu as envie de jouir. Regarde-moi cet imbécile. Une vieille femme conne que tu sois. Quand Dieu t'a donné la vieillesse, là, c'est ce qu'il t'a dit de faire sur la terre là, avec. Il t'a dit sois vieille pour être bête comme ça. Il t'a dit sois vieille pour prôner la haine. Si ta jeunesse n'a pas chauffé, c'est de ma faute. Si ta jeunesse, même ta vieillesse ne chauffe pas, c'est de ma faute. Hein? Moi, une petite fille comme moi, comme ça, tu te ravages sur moi. On est de la même catégorie. Je suis de ta promotion. Hein? Tu vas pas aller danser la salsa. Hein? Tu vas pas aller danser la salsa. Vieille conne. Hein? Bécile. Regardez-moi ce genre de truc. Regardez-moi ce genre de truc. Non, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Hein? Une débile comme ça, imbécile que tu sois. Tu ouvres ton con, tu passes sur des gens qui ont de l'avenir. Moi, j'ai de l'avenir, hein, madame. Moi, j'ai de l'avenir, hein. Hey. Moi, j'ai de l'avenir, hein. Moi, je suis née dans moi, je suis née pour réussir, hein. Moi, j'ai de l'avenir, hein. J'ai des étoiles sur moi, hein. Toi, tu n'as même pas d'avenir, tu n'as même pas de souvenir. Tu es sans avenir, sans souvenir. Tu es au milieu, c'est-à-dire que tu n'es même pas au milieu. Tu n'as pas de passé, tu n'as pas de présent. Tu es comme Bigfoot, comme ça, dans la nature. On dirait la règle. Non, mais il faut arrêter au bout d'un moment aussi. Après, ça veut dire que non, allez, insulte les gens. Est-ce que vous
lisez un peu les commentaires de cette vieille conne là. Hein? Cette chienne, vous lisez son nom? Hein? Tu es femme, tu as nom de garçon. Comme Mamsi Oumar Kaba. C'est son vrai nom qui est là. Oumar Kaba. Est-ce que tu n'es pas garçon? Parce qu'aux États-Unis, il y a tout. Ben ton modèle, hein? Grande mère, faut arrêter, hein? Franchement, ne faites pas parler les gens. Non, mais sérieusement. Hein? Hein? Pourquoi tu fais ça? Bon, tu fais ça pourquoi? Hein? Tu fais ça pourquoi? C'est pourquoi? Regardez le modèle même de la personne en question. Regardez le modèle, regardez. C'est là, c'est un homme. Je ne suis même pas sûre que c'est femme. Parce que femme, c'est vrai que tellement, tellement tu ne ressembles pas à femme là. On t'a tout dit à ton nom. Même si Oumar Kaba. Oumar. Oumar où? Oumar. Pourquoi tu ne connais pas ta place, Oumar? Oumar Kaba. Pourquoi tu ne connais pas ta place? Tu le fais avec les Camerounais jusqu'à... Tu arrives encore chez les Ivoiriennes avec ton modèle. Hein? Même si Omar. Il faut m'arrêter ça, hein? Hein? Même si Omar Kaba, pourquoi tu fais ça, Oumar? Oumar, je n'aime pas ça, hein? Tu le fais chez les Camerounais jusqu'à tu arrives encore en Côte d'Ivoire. Ici, les Ivoiriens vont te purger avec de l'acide, hein? Les Ivoiriens, ils sont très, très doux, mais ils sont très méchants. Ils ne rigolent pas du tout, du tout. Ils vont te piriger avec de l'acide. Tu connais le pirigeois? Tu connais le pirigeois baoulé? Même si Ouma, on va mettre acide dans le pirigeois baoulé pour piriger ton gros, ton cul ouvert. Même si Ouma, il faut faire très attention aux Ivoiriens. Il faut faire très attention aux Ivoiriens. Je te parle. Moi, je veux sauf que ton bien. Si on te parle que à ton âge et que tu as trop vieilli et que tu es désespéré, Mam Si Ouma, va à la maison de retraite. Là-bas, au moins, tu auras des gens qui vont s'occuper de toi. Arrête de venir sur la toile avec ton vieux âge là et te mêler des histoires qui ne te regardent pas. Pense à comment tu vas mourir. Pense à ta mort, tes enfants seront là. Même si Ouma, les Ivoiriens vont te piriger avec de l'acide, tu nous connais? Hey, est-ce que tu connais Ivoirien? Hein? Est-ce que tu connais Ivoirien bien, bien même? Ce n'est pas les Ivoiriens que tu vois sur Facebook. Nous, on va juste en profondeur. Hein? Nous, on n'est pas les Ivoiriens qui n'ont pas d'informations, qui viennent sur Facebook pour se faire voir là. Non, hein? On n'est pas ce genre d'Ivoirien là, hein? Non, 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 même si tu te trompes. Même si Oumar Kaba, tu te trompes très mal. Parce que nous, on va te piriger avec de l'acide. Tu connais de l'acide? On va foutre ça dans ton cuir, là. On va foutre de l'acide dans ton cuir. Et ça va bousiller tout ton visage, même si Oumar Kaba. Kokamel Watako. Pin pourri. Et puis c'est toi qui t'en prends une chic fille. Tu mets sur ton profil. Ouvre ton compte. Comme si tu es capable. Nous, on fait direct. Tu nous vois. On fait direct. Tu nous vois. Faut faire direct. Fais direct. Et puis tu te montres. Quand tu veux parler aux femmes, là. Comme tu dis, tu es femme. Et puis tu es belle. Et puis tu dis, c'est pas toi. Nous, on te lance un défi. Si c'est pas toi qui es sur les photos, là. Fais direct. Et puis on voit. Il y a des mots, c'est imbécile. Cette sale chienne, là. Maintenant, hein. Maintenant, hein. Akpama, moi, je vais pas trop parler à toi aujourd'hui. Hein. J'ai un petit tour pour toi. Je vais faire écouter aux Ivoiriens. Moi, je vais pas trop parler à toi aujourd'hui parce que toi, il reste un peu, tu vas te suicider. Donc, je vais pas trop parler à toi aujourd'hui. Mais je vais mettre un petit truc de ton ex. J'ai une commission pour, de ton ex. Je vais mettre ça, les Ivoiriens vont écouter un peu. Et moi, je ne cause pas trop à toi aujourd'hui, n'aime pas ton temps.
Apparemment, ton ex est en train de te parler ici. Sur les réseaux sociaux, et j'ai vu que. De Brigitte. Sur les réseaux sociaux, et j'ai vu que. Oui, bonjour, monsieur Stéphane. Moi, c'est. Monsieur Hervé. D'insulter notre artiste, ta maman. Madame. De Brigitte. Attendez, elle m'est venue. Apparemment, j'aime. Truc pour ton de ton ex. Lui répond le fait. Les Brigitte sur les réseaux sociaux et j'ai vu que tu. Oui bonjour monsieur Stéphane, moi c'est monsieur Hervé. Insulter notre artiste, ta maman, madame. Les Brigitte sur les réseaux sociaux et j'ai vu que tu voulais lui répondre au fait. Je viens par rapport à, je viens en ce moment là te dire de ne pas répondre au fait, tu vois. Parce que c'est une fille qui souffre d'un trouble, en fait, tu vois. C'est pourquoi je viens ce matin. Ne pas perdre ton temps à répondre, à insulter sa mère aussi, tout ça. Non, il ne faut pas le faire. Pas perdre ton temps à faire ça. Tu vois, c'est une fille qui souffre d'un gros trouble, en fait, tu vois. Si je t'explique, même, tu ne vas pas croire, tu vois. Elle a été divergée par son père, tu vois. Elle a été divergée par son père. Par elle et moi, on sortait ensemble. Elle était divergée son père. Tu vois, quand j'ai appris ça, j'ai décidé de ne plus sortir avec elle, tu vois. Et elle sortait avec son père pendant au moins 6 ans. Pendant au moins 6 ans, elle couchait avec son père. Quand sa mère m'a appris ça, sa mère a fait une chute. Ou pour renseigner sa mère même, en ce moment-là, elle est une chaise roulante pour renseigner. Sa mère a fait une chute qu'elle a appris ça. C'était vraiment grave. Parce que moi, quand j'ai appris ça, j'ai décidé de ne plus sortir avec elle. Et jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner sur ce que je n'ai pas son temps à coucher avec les gars. Elle a même 5 enfants de pères différents, tu vois. Donc je viens aujourd'hui parler de papa. Apparemment, elle était déviégée par son papa. Apparemment, son père l'a déviégée. Son père couché. C'est pas, ne pensez pas que c'est une blague ou bien... Non, non, non. Moi, là, je ne viens pas parler des choses... Si je n'ai pas d'informations, moi, Marie, là, parce que cette personne-là, il y a sa photo avec Akpama. Il sortait avec Akpama. Akpama, ton gars est vert qui tu sortais, là. Pourquoi tu n'es plus elle? Viens nous dire. Son papa l'a déviégé. Son papa couchait avec elle pendant 6 ans. 6 ans! Tu me fais de la peine. Ça m'a déchiré le cœur, je te jure. Je me suis dit, Seigneur. Je me suis dit, Seigneur. Pendant 6 ans, son père couchait avec elle. 6 ans, bien compté. Son père, il n'a jamais marié sa femme. Et sa maman, du moins. Il avait 4 femmes. Il est très, très mal mort. C'était un pédophile. Et puis, coucher, c'est pas nouveau ça en fait. Vous voyez de nos jours ici, même des papas qui couchent avec leurs enfants. Elle a vécu ce traumatisme-là. C'est pour cela que, en fait, elle est un peu dure avec les hommes. Vous ne voyez pas comment elle est dure avec les hommes. Sinon, une femme tendre, parce que je vais décortiquer pour que vous puissiez comprendre. Une femme tendre. Déjà, une femme qui fait des enfants. Même un enfant ou 2 enfants avec un homme, elle respecte cet homme. C'est-à-dire que même s'ils ne sont plus ensemble par rapport à son enfant, vous n'allez jamais venir la voir exposée. Dites-moi combien de femmes viennent sur la toile comme ça exposer le père de ses enfants. Même si un gars n'est plus avec toi, mais du moment que vous avez des enfants pour protéger ton enfant, là, tu n'exposes pas. Elle n'est pas tendre. Elle a son père accouché avec elle pendant 6 ans. 6 ans bien compté, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, il couchait avec elle. Ça l'a traumatisé en fait. Quand vous regardez à maman là, vous savez que ça ne va pas. Sérieusement, on n'a qu'à laisser côté clash là. On n'a qu'à laisser côté je la clash ou on se clash, ça n'a rien à voir. Mais cette fille là souffre. Franchement, moi-même j'appelle l'aide à l'État de France pour qu'on puisse l'aider. La fille est dérangée mentalement. La fille a subi. C'est-à-dire qu'elle a été violée. Elle va venir nous dire que... Je sais qu'elle va sortir, dire que c'est le contraire. Mais dans son âme, dans son corps, elle sait que c'est pas faux.
Moi, je parle de dire tout d'elle ici. Mais est-ce qu'une fois, elle veut dire que son gars, son truc l'a violé? Le gars, là, j'ai cherché à savoir la source. J'ai vu toutes sortes de preuves. Et moi, aujourd'hui, elle me fait de la peine. Quand il y a quand même fait ça direct aujourd'hui, là, je n'étais même pas là. Je n'étais pas connecté. C'est après, je suis allé sur son direct. C'était trop tard. Sinon, demain, j'ai appelé, on a fait un groupe, j'ai dit, arrêtez de l'insulter. Il faut qu'on arrête de l'insulter parce que la fille est traumatisée. Même au Mali, là, souvent, on dit qu'elle parlait seule. Souvent, on dit qu'elle parlait seule. C'est pour cela, sa haine envers les hommes. Vous ne voyez pas comment elle parle des hommes? Elle parle des hommes avec rage. Quand elle parle des hommes, il n'y a pas de tendresse. Sinon, il n'y a pas aucune femme qui veut, avec tous ses enfants, plus enceinte, qui veut vivre seule. Ça n'existe pas. Nous savons tous en France ici que les femmes en France ici veulent toujours avoir un homme dans leur vie. Il n'y a aucune femme qui veut finir seule dans sa vie. Même moi-même, je ne veux pas finir seule. Mais la fille, comprenait là aujourd'hui. C'est pour cela qu'elle se venge de partout. Même dans sa famille, là, dans la famille de papa de ses enfants. Là. Elle a couché avec le beau-frère. Elle a couché parce qu'en fait, pour elle, le sexe n'a plus de secret. Elle peut coucher à tout le monde. Comment une fille qui est normale peut venir s'asseoir sur la toile pour dire qu'elle a fait cache-cache avec le beau-père? C'est-à-dire qu'elle-même, son beau-père, le mari de sa belle-mère, de sa belle-sœur, quelqu'un qui t'est belge. Toi, tu fais cache-cache, c'est lui, il est de ta catégorie. Donc, vous savez qu'elle n'est pas normale. Une femme qui vient parler, puis elle ouvre ses yeux, elle transpire, même elle sait très bien qu'elle transpire. Ses enfants sont là, elle n'a pas le temps de prendre soin parce qu'elles, ils ne l'ont pas aimée en tant que telle. Vous savez pourquoi elle n'aime pas ses enfants? Parce qu'elle n'a pas été aimée aussi. Parce qu'elle n'a pas été aimée. Parce que de son enfance, elle a été maltraitée. Son papa, en fait, je souhaite même l'enfer total à son père. J'en veux à son père comme ça. C'était mon papa là. Je te le jure, je prie même à la place d'Akpama. Akpama, franchement, je compatis à ta douleur. Je te promets. Je te parle avec mon cœur. Parce que ce que j'ai appris là, je me suis allée au fin fond. Ça fait 2 jours que tu me vois ici sortir sur toi. Je ne sortais pas sur toi. Parce que quand j'ai appris, ça dit non, moi je ne crois pas ces gens dessus. Peut-être que c'est un montage, c'est quelqu'un qui appelle pour raconter n'importe quoi. Moi je n'aime pas. C'est pas parce qu'on est en classe. Mais ça, c'est un truc qui est grave. On peut venir dire, on peut s'insulter, on peut tout dire. Mais on peut venir dire que quelqu'un, son papa l'a déviégé. Tu vois, moi j'ai dit non, c'est pas possible. Mais quand je suis allée dans les. C'est que moi j'aime m'aller à la source. Moi je ne sois pas comme ça sur les gens. Si je n'ai rien à dire, je reste couchée chez moi à la maison. Je ne viens pas divaguer, blasphémer. Non, je n'ai pas que ça à faire. Est-ce que vous me voyez faire des directs comme ça? Si je sors comme ce soir-là, je vais sortir pour faire un direct dangereux sur la Yoro Gang. Et puis sur celle qui se nomme la mère des Chinoises. Là. Mais ça sera avec des preuves. Vous qui êtes sur mon snap, là, vous voyez. Vous voyez, ça trame en ce moment. Moi, je ne sors pas, mais il faut sortir. Quand il n'y a rien à dire, là, je reste couché. Je mange rien, Netflix. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Apparemment, elle était violée. Apparemment, son père couchait avec elle pendant 6 ans. Je vous jure devant Dieu, je n'ai pas besoin de venir mentir. Je peux tout lui dire. Elle a trop d'injures sur elle que venir inventer que son père a couché avec elle. Mais il y a la source. Il y a la source. C'est pour ça que sa mère, parce qu'elle en veut à sa maman même, franchement. Elle en veut à sa maman parce que, regarde, une femme, ta mère a 6 ans. Même si on dit, peu importe ce que ta mère est, tu aimes ta mère. Mais si ta mère est mendiante, il faut l'aimer. Même si on dit, mais tu ne peux pas introduire ta mère dans les clashs. Tu ne peux pas filmer ta mère étant assise dans le fauteuil roulant. Elle est assise là et puis tu es là. Tu ne prends même pas le temps pour savourer son arrivée. Ta maman est arrivée d'Abidjan. Tu attends pour faire direct. Tu attends de présenter quoi? Tu peux montrer, oui, ma maman est arrivée, faire une petite vidéo. Puis tu coupes la vidéo, tu t'occupes de ta mère. Tu t'occupes de ta mère parce que non seulement cette maman-là, elle ne parle pas. Mais non, tu as tenu le téléphone. Les gens sont en train de mettre ta maman dans voiture à ta place. Les gens sont en train de prendre fauteuil de roulant de ta maman, mettre dans voiture à ta place. Tu ne peux même prendre ensemble même pas l'amour que tu avais pour ta maman. Sinon, tu pourrais t'asseoir derrière avec ta mère, hein, la prendre dans tes bras. Mais si tu as cette reine-là qui t'anime, dont tu transformes ça partout, ma chérie, c'est ton père qui t'a dédié. Ce n'est pas le père de tout le monde qui t'a dédié. C'est pour ça que tu as la haine. C'est pour ça que tu as la haine. Moi, tu me fais sauf que pitié. Voilà, et tu me fais sauf que pitié. Franchement, tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine.
Je te dis aujourd'hui, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié que Dieu puisse se rappeler de toi. Parce que souvent, Dieu met les gens sur la terre, il les oublie. Il bénit d'autres et puis il laisse d'autres. Toi, tu as besoin que Dieu agisse dans ta vie. Ah, maman, je sais ce que tu ressens en ce moment-là, je connais un peu. Tu as besoin que Dieu agisse puissamment dans ta vie. Dieu lui-même, souvent aussi, il met les gens. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de bénédiction. Il les donne. Mais voilà, maman, qui a besoin de toi. Je fléchis genoux, j'ai prié. Seigneur, cette fille-là, moi-même, si tu dois diminuer dans ma grâce que tu vas me donner dans cette semaine-là, pour accomplir dans sa vie, je suis prête à partager ma grâce avec elle. Si, si, parce que le traumatisme qu'elle a vécu là, je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Voilà deux choses que, trois choses que je ne peux pas souhaiter à mes ennemis. La prison, la mort, et puis le viol. Parce que le viol, c'est très, très dangereux. Une femme que tu vas bénir en tant que toi, papa qui a couché ton enfant, tu as introduit du sperme dans sa maman, elle est sortie, tu couches avec elle pendant 6 ans. Comment elle ne sera pas traumatisée, c'est pas de sa faute. Aujourd'hui, apparemment, je te comprends. Je comprends ta haine. Je comprends pourquoi tu es aussi dur avec toi-même et envers les hommes. Je comprends pourquoi tu n'es pas tendre. Je comprends pourquoi, pour toi, le plaisir, l'amour, tu ne connais pas l'amour. Je comprends pourquoi tu ne vis pas l'amour. Je ne comprends pourquoi tu n'as pas ce sentiment-là d'aimer. Tu ne connais pas ça. Tu ne sais pas prendre soin d'un homme parce que ton propre père t'a délégué. Ton propre père a couché, abusé de toi pendant 6 ans. Tu peux sauf que avoir la haine. Tu peux sauf que faire des enfants et les abandonner parce que tu n'as pas reçu l'amour de tes deux parents proprement. Donc tu ne peux pas faire venir tes deux enfants que tu as chiés qui sont en Côte d'Ivoire parce que tu ne connais pas ça. Tu ne sais pas t'occuper, tu ne sais pas t'y prendre avec des enfants parce que toi tu n'as pas reçu ça. Mais je laisse-moi te dire, ma soeur, laisse affaire de clash à ces conseils que je te donne. Laisse-moi te dire, ma soeur, tes enfants là, c'est toi qui les as chiés. C'est toi qui as supporté tes 9 mois de grossesse. Ce que tu as vécu là, il faut montrer le contraire à tes enfants. Donne de l'amour à tes enfants. Il faut apporter de l'affection, ce que tu n'as pas reçu. Il faut transmettre ça dans tes enfants. C'est très important. Parce qu'ils sont innocents. Il ne faut pas ta douleur pour introduire dans tes enfants. Ne vaccine pas tes enfants avec ce que tu as vécu dans ton enfance. Parce que les enfants sont pour rien. Ils n'ont rien demandé. Il faut aimer tes enfants. Ton père ne t'a pas aimé. Mais aussi, je te donne un conseil. Même si ton mari... Ton ex, le père de tes enfants, est allé se marier et qu'il t'a laissé parce que tu n'as pas été tendre avec lui, parce que tu étais dur avec lui, pourtant ce n'est pas de sa faute. Malgré que tu as couché avec son frère, tu as couché avec son beau-frère, lui il est resté avec toi. Il s'est mis toute sa famille à dos pour toi. Mais toi, on comprend que tu es bloqué, tu as un blocage dans la tête. Parce que tu as vécu le viol. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu vois un peu ce que je t'explique. Donc, si tu n'as pas pu, et lui n'a pas pu te comprendre, lui n'a pas pu, parce qu'il ne te comprenait pas. Sa famille aussi n'arrivait pas à te comprendre. Comme une femme qui fait des enfants avec notre fils veut la marier, puis elle refuse. Vous ne comprenez pas, aujourd'hui la famille de ton ex, le papa de tes enfants, là, il faut la comprendre. La fille a été violée et ce n'est pas facile pour elle. Ce que je peux dire à tout le monde, même à tes abonnés qui ne m'aiment pas là, au lieu de passer votre temps à m'insulter là, mettez-vous en prière pour elle. Il faut prier pour que ce blocage la quitte dans sa tête. Qu'elle soit libérée. Parce qu'elle est complexée. Elle est renfermée. Elle devient dure. Donc elle crache son vénère sur tout le monde. Elle insulte tout le monde pour rien. Voilà. Sans raison. Moi si je sors sur une personne, j'ai mes raisons de sortir. Même si les histoires ne me regardent pas. Mais au moins, je sors pour une cause, pour une vérité. Mais je ne vais pas sortir comme ça parce que j'ai envie de cracher mon vénère sur les gens. Donc franchement, il faut prier pour elle. Il faut la porter en prière. Il faut faire des cellules de prière pour elle. Il faut la porter en prière. Arrêtez de l'encourager dans la bêtise. La fille est traumatisée. Apparemment, elle est traumatisée. Il faut l'encourager, il faut prier pour elle. Il faut aller demander des messes pour elle. Il faut aller donner les fleurs, allumer les bougies sur la Vierge Marie pour elle. Vous qui êtes musulmans, faites des rakats pour elle. Voilà, ça va la délivrer. Elle va se détendre. Parce que je connais, je compatis à sa douleur, franchement. Sincèrement, je parle avec mon cœur. Donc, apparemment, toi, pour toi, là, je connais.
Toi, pour toi, là, je comprends. Donc, il n'y a même pas de problème. Ma chérie, moi, je n'ai même plus le temps de venir parler de toi. Sérieusement, tout ce que je peux te dire, si je sors sur toi, c'est pour te donner conseil. Parce que tu es traumatisé. Tu es traumatisé, bébé you. Mon petit bébé, ma pupus. Tu es traumatisé. Mbé, tu es traumatisé. Je prie pour toi, je te porte en prière. Je te porte en prière, sérieusement. Je prie pour toi. Je fais des chapelets pour toi. Je vais allumer des bougies pour toi. Même si tu me détestes, Dieu va détendre ton cœur. Dieu va effacer la haine que tu as. Contre ton père, malgré que tu l'as déposé en couverture, là, mais tu as la haine contre lui. On le sait tous. Maintenant, ton cul est dehors. C'est pour ça que tu ne connais pas où. C'est pour ça que tu te permets d'insulter les parents des autres. Sinon, une mère, quelqu'un qui n'a pas mis enfant au monde, là, peut se permettre d'insulter. On dit que non, elle n'a pas couché, donc elle ne connaît pas. Mais une femme qui a déjà supporté 9 mois qui a accouché, là, ne peut pas se permettre d'insulter des enfants d'autrui. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu penses à tes enfants, là, tu ne peux pas insulter l'enfant des autres. Tu ne peux pas te lever, t'attaquer aux gens qui ne t'ont rien fait. Hein? Pourtant, si tu n'étais pas blogueuse, on va dire, mais tu dis que tu es blogueuse. Donc, normalement, tu dois faire ton combat de blogueuse. Tu dois faire ton truc. Tu dois créer toi-même tes mouvements. Mais tu aimes te jeter dans la fête des gens. Et puis, au bout d'un moment, tu restes au milieu. Ta grand-mère que tu es en train de défendre, là, quand pour ton affaire a commencé, elle a parlé de toi. Réponds à ma question. Est-ce que ta grand-mère là, qui est au Canada, là, elle t'a déjà défendu une fois? C'était chaud sur toi ici, là. Elle a déjà fait une vidéo pour t'apporter son soutien. Tu es en train de lutter, tu es en train de gratter amitié. Tu as voulu faire ça sur Blessing. Elle ne t'a même pas calculé. Maintenant, tu es en train de gratter l'amitié. Mais elle-même, elle n'a même pas... Elle qui la connaît? Elle, là, si elle ne parle pas de Makoso, elle ne parle pas de Lolo. Ou bien elle ne parle pas d'Apuchi, qui la connaît? Quand elle vient s'asseoir pour dire que je ne réponds pas, ça, j'ai fini. Attends, je finis et puis je la récupère aussi. Je suis là pour vous parler. Je ne suis pas là, c'est Watatoko pute là que je dois bien. Elle mérite qu'on l'insulte. Mais vous là, je ne vais pas vous insulter. Je vous dis que la vérité. Parce que vraiment, des injures là, pour moi, ça ne te fait rien. Parce que tu es traumatisé. Même si on t'insulte, on déteint le corps de ton papa, mais ça ne va rien te dire. Moi-même là, ça ne va rien te dire. Parce que tu as cette haine là dans ton cœur. Ton père, ton papa. Lui qui t'a donné naissance, lui qui a mis le sperme, qui a engendré le sperme dans le tout de ta maman, a couché avec toi. C'est pour ça que tu ne portes pas son nom. C'est pour ça que tu ne portes pas. Explique-nous ton nom de famille qui est collé sur toi. Là. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu ne portes pas le nom de ton papa parce que tu as refusé de prendre son nom. Il y a cette vérité-là qui est là, ma chérie. Sinon, tu n'es pas mariée pour aller porter le nom de quelqu'un d'autre. Et même si tu es mariée, on peut dire, on dit ton nom, mais épouse. Le nom dit, on dit peut-être moi, Madame Robert. Mais si je suis mariée à un gars qui s'appelle Koné, mais épouse Koné. Mais mon nom de famille, là, ça me tient toujours dans mon passeport. Mais toi, tu allais prendre le nom de quelqu'un d'autre. Tu allais t'inventer un nom de famille. Tu allais t'inventer un nom de famille. Ce n'est pas le nom de ton père. Tu veux forcément nous montrer pas ton papa. Est-ce que tu nous parles de lui? Tu parles pas de ton papa. Attends-nous tous ici. Moi, j'ai perdu ma maman. Mais chaque jour que Dieu fait, je glorifie ma maman. C'est parce que ton papa t'a déviégé. Tu as ce mal en toi. Tu veux montrer aux gens que tu as aussi un père qui est décédé. Mais pourtant, non. Tu essaies de pardonner. C'est pour ça que tu allais prendre un autre nom pour mettre sur toi. C'est pour ça que tu portes un autre nom. Tu ne portes pas le nom de ton père. Sinon, Annie n'a pas le nom de famille que tu as là. Faut venir nous expliquer où ton nom est quitté. Aussi. Mais bon, après, faut pas te justifier. C'est ta vie privée qui est sortie aujourd'hui. Je voulais faire écouter aux gens. Pour que les gens arrêtent de t'insulter. C'est pas de ta faute. Il faut que les gens arrêtent de t'insulter. Même si tu m'insultes, ils n'ont qu'à te laisser. Tu es désespéré. Tu es touché mentalement. Tu es bloqué. Tu as un blocage de briques dans ta tête. Donc, il faut que les gens comprennent. Tu as été déviégé par ton propre papa. Ton propre père. Je parle et puis je n'ai même plus de voix. Tellement j'ai mal pour toi. Je te dis, j'ai prié pour toi. Hein. J'ai prié pour toi. Et je vais continuer de prier pour toi parce que tu mérites les prières. Sérieux, c'est parce que je ne peux pas aller à Lourdes. Sinon, je vais aller à Lourdes demander des messes pour toi. Je vais aller à Lourdes, fléchis genoux, parler à la Vierge Marie, qu'elle éducie ton cœur. Qu'elle rend ton cœur doux. Qu'elle rend ton cœur doux. Parce que apparemment, je ne peux pas comprendre que j'ai mon papa et puis je vais prendre le nom de quelqu'un d'autre pour mettre sur moi.
Allez sous le nom des Italiens pour mettre sur nous. Tu n'as pas un père. Hein? Annie s'appelle comment? Comment tu as dit là? En fait, quand tu dis qu'on parle pas, on dit pas ton. Pas ton nom n'est pas important en fait. Et puis en plus, je ne dis pas ton nom parce que c'est pas ton vrai nom. Voilà. Donne-nous ton nom de famille. Quand je parle de toi, je vais t'appeler par ton nom de famille. Je ne vais pas t'appeler par un nom qui n'est pas ton nom. Le nom que tu veux qu'on t'appelle avec, ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton nom. Sinon, en 2020, là, le prénom que tu as là, ça ne peut pas te suivre. Et puis, en plus d'être traumatisé, d'être déviégé par ton papa et ton père qui abuseur de toi pendant 6 ans, toi-même, maintenant, là, mais tu as choisi, toi qui as choisi tes prénoms là, pour mettre sur toi. Hein. Regarde le nom que tu allais saouler pour déposer sur toi. Si, si, il y a des chic noms. On dit non à J. On dit non à J. En tout cas, courage à toi. Si, si, je prie Dieu, que Dieu puisse apaiser ton cœur. Que l'homme qui va réapparaître dans ta vie, parce que je souhaite pas que tu finisses seul, que tu puisses bien te comporter avec lui qui te marie. Tu es un blocage. Sérieusement, je vous parle sérieusement. Et je parle avec mon cœur. C'est pas affaire de beurre, c'est pas affaire de... Non, moi je ne joue pas ce genre de truc. Ben, pas ça là, l'homme peut aller vite. C'est que... C'est des trucs, on peut faire des classes, on ne peut pas jouer, parents, on ne peut pas accoucher à toi. Non, 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 non. On joue pas ce genre de trucs. Non, moi, je ne peux pas jouer ça. Je ne peux pas jouer ça. Je peux tout dire de toi. Je peux t'insulter, mais venir dire que ton papa t'a dévié. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ce genre de choses. Mais ça a été, c'est ton cas. Ceci est ton cas. Ceci est ton cas. Donc, on comprend ta frustration. Aujourd'hui, là, j'ai compris. Pourquoi tu es rempli de haine? Pourquoi quand tu parles, tes nerfs s'accrochent comme ça à ta nuque? Pourquoi quand tu parles, tes nerfs viennent jusqu'à sur ton front? Je comprends maintenant. Mais bois un peu d'eau, ça va te passer. Voilà, prions, prions pour elle, prions, prions, prions pour elle. Hein. Essayons de prier pour elle, hein. Ça va l'aider. Maintenant, comment elle s'appelle même? Attends. Celle-là, l'intello, là, celle qui veut se jouer trop les intellectuels. Tu es trop allé à l'école, c'est toi qui es venu et dit, ma chérie. Donc, moi, je ne comprends pas certaines personnes. Donc, vous comprenez français jusqu'à... Vous n'avez pas eu travail dans bon poste, en temps normal, façon vous parlez le français, là. Façon vous dites que vous vous exprimez, là. Vous devez travailler dans les grands bureaux en Europe, ici. Vous ne devez même pas venir. Donc, toi, ton école... Que tes parents se sont fatigués comme ça, j'imagine. Tes parents se sont fatigués pour payer ton école. Mollet de bouteilles de whisky. Ça, c'est à toi maintenant. Tes parents se sont fatigués pour payer ton école. C'est pour venir t'asseoir sur Facebook. Venir parler dans le vide. Donc, toi, tu es parti à l'école. Dans des grandes écoles. Si, si. Dans les écoles grandioses. Pour venir t'asseoir sur Facebook pour t'adresser à quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Mais attends. Attends. Il faut que je charge un peu mon téléphone. Hey! On peut faire ça? On peut aller à l'école comme ça puis venir sur Facebook? Venir répondre aux illettrés? On peut faire ça? On peut aller à l'école comme ça, puis ne pas venir parler avec des gens qui sont allés à l'école comme vous. On va aller à l'école, devenez maître en même temps. Devenez des professeurs en même temps. On peut aller à l'école comme ça loin. C'est-à-dire que suivre les bancs, poursuivre les bancs. Pendant que nous, on s'est arrêté derrière le banc. Là. Vous avez continué le banc jusqu'à ce que ça devienne table. Vous avez continué les bancs jusqu'à ce que les bancs là, sont devenus table. Pour venir vous asseoir. Et puis redescendre avec les gens qui sont vulgaires sur Facebook. On peut faire ça sur la terre ici? C'est des choses qui peuvent exister? Oh là là! Mais le téléphone aussi, a quel problème? Portable là aussi. Son modèle est trop compliqué. C'est parce que c'est le chargeur qui déconne, mais je change de chargeur seulement. On va mettre un peu de musique le temps que mon téléphone charge un peu. Pause musicale. On peut faire ça? Hey. On peut aller à l'école, arriver loin comme ça, venir parler des gens qui ne sont pas allés à l'école? Oh là là! Pourquoi vous faites ça même?
qui a besoin des gens qui parlent français. Loulou, là. Vous êtes parti à l'école, hein? Vous avez dépassé les bancs juste en sur la table. Vous avez fait les tables. Pour vous, là, c'est pas banc. Non, vous avez fait les tables. Si, si. Vous avez fait les tables. Pour venir vous asseoir et tomber dans des bassesses. Parler des personnes vulgaires comme moi et puis à Poutou. Elle est la beauté. Des gens sans éducation comme nous. Vous êtes allés à l'école, venez pas. Attends. Mais si vos parents, même ça, ils vont vous gifler. Moi, si je faisais partie de votre famille, j'allais mal vous gifler. On vous a mis à l'école pour être les directeurs de société. Pour apporter un plus dans la vie. Pour être des cadres. Pour être ceci, pour être des trucs. Maintenant, vous venez sur Facebook. Vous venez répondre aux gens. Tu as déjà vu un maître. Quelqu'un qui allait à l'école, qui arrivait loin. Qui va s'asseoir pour parler à un baoulé qui est derrière le champ. Hein? Vous avez déjà vu les maîtres discuter un cordonnier qui n'est pas là à l'école? Donc, vous pouvez aller à l'école loin comme ça dans la vie et puis venir parler à des gens qui ne sont pas là à l'école? On peut faire ça? Bon, toi, tu prends ton tabouret. J'ai dit, oh, tu as fini ta prostitution en France. Maintenant, tu te prostitues en Belgique. Tu fais Jagawa en Belgique. Molle de bouteilles de whisky. Hein? La fille là même qui a le visage en bas des tabourets là. Les tabourets du village là. Hein? Toi, tu as fini ta prostitute ici en France. Là, tu t'es transféré en Belgique. C'est là-bas que tu te prostitues. Tu te prostitues dans ta voiture en plus, dans voiture de pain là. La voiture que tu as là, c'est la voiture de livraison là. Les voitures, vous connaissez un peu les putes de Belgique là. C'est dans voiture, elles prennent leurs clients parce que tu n'as même pas de maison. Moi, je connais plein de personnes qui t'ont mougou pour te payer. C'est toi qui es venu trop te jouer, avant de te jouer aux intellectuels là. Je vais te montrer un truc qui est simple. Il faut soigner ça un peu. Parce que tu ne peux pas aller à l'école loin comme ça. Et puis ton modèle là, va être comme ça. C'est pourquoi. Bon, ça là, c'est pourquoi. Ça là, c'est pourquoi, Tanti. C'est pourquoi une femme peut se promener un cheveu demi, un paquet demi sur sa tête. Derrière là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est toi qui ouvres ton con aussi pour parler sur les gens. C'est pourquoi. Pourquoi vous-même là, vous venez et puis vous ne voulez pas être simple. Vous voulez vous donner un genre qui fait joker même. Pourquoi venir se donner un genre qui va faire joker? Pourquoi voulez-vous venir vous jouer les gnaras, les ngaras, genre les filles qui sont d'une grande famille? Quand tu es d'une grande famille, parce que quand tu as parlé avec Apoutou, tu as parlé avec la vulgarité, tu l'as traité de gros porc, tu l'as traité de beaucoup. Mais une fille qui a reçu une éducation, qui est allée à l'école, qui sait s'exprimer, ne prend même pas son temps à parler avec des illettrés. Elle ne prend même pas son temps pour répondre. Si tu étais civilisée, et tu étais très intelligente. Tu allais appeler ta soi-disant tante là, qui a beaucoup de corps là, ta tante là, pour lui dire, tanti, notre niveau est trop élevé. On ne peut pas venir répondre à ce genre de personnes. Parce que nous sommes propres, on allait à l'école. On ne répond pas aux gens comme ça. Mais quand tu viens, donc si je comprends bien, moi, Marie, qui suis là, si je suis dans la douche, je suis en train de me laver, qu'un fou vient prendre mon panne. Et puis, écoute, ça, moi, il a couru derrière le fou là, quoi. Donc, nous, c'est elle qui est fou. Elle est modèle. Arrêtez de vous donner un genre. Ta tante là qui parle de son foyer là, c'est mari de sa tante, elle a prévu, elle a dit non. On va délire dessus. Madame, quand tu dis que je ne réponds pas, ça j'ai fini avec toi parce que la villageoise là, au mollet de bouteilles de whisky là, toi je discute pas toi. Tu vois non? Moi je regarde vite et puis je passe à autre chose. Voilà. Juste te dis qu'il faut aller compléter le reste de tes mèches là parce que ça manque derrière là. Tu vois un peu, non? Tu as vu un peu? Tout détail compte. Avant de venir faire vidéo, là, rassurez-vous que tout est juste sur vous. Tu ne peux pas venir. C'est-à-dire que comme j'ai parlé la dernière fois, tu as entouré tes mèches pour mettre ça au milieu. Maintenant, derrière, là, c'est comment? Avant de venir parler des gens, là, rassurez-vous d'être propre. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça?
quand on parle de la classe, quand on parle des gens qui sont élégants, quand on parle des gens qui sont éduqués, tu ne peux pas être éduqué, puis tes cheveux ne sont pas éduqués. Comment tu peux te tresser, puis tu n'éduques pas tes cheveux. Donc toi, tu es éduqué, tu parles français, puis derrière ta tête, il n'y a pas français derrière. Les mèches, là, il t'a dit non, ça ne suffit pas. Il va t'asseoir, tu te tresses bien, et tu viens, tu parles. Tu as compris? Sinon, tu fermes ton con et tu vas continuer ton travail de prostitue que tu fais en Belgique, là. Il faut aller continuer. Parce que c'est ça ton travail. Tu ne peux pas faire un direct comme moi. Tu fais des vidéos enregistrées. En plus, c'est nous, on te donne. C'est pour ça que je ne veux même pas fabriquer une personne comme toi. Tu vois? Apparemment, au moins, même si on l'a fabriqué un peu, aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas grave. Parce que grâce à nous, elle a des gens qui lui démontre un peu son amour, parce que c'est une fille qui a besoin d'affection. Donc elle a besoin de s'étaler sur internet, étaler sa vie sur internet pour avoir de l'affection. Elle a besoin de l'amour des gens virtuels que les gens qui sont proches d'elle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont proches, elle ne prend pas le temps pour les aimer. Mais elle préfère les gens qui sont sur internet. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, s'il y a quelqu'un dans ma vie, je prends le temps pour aimer la personne. Internet passe après. Mais pour vous, là, ce n'est pas le cas. Et puis c'est vous qui voulez même faire la leçon des morales de quoi à qui. Tes gros français que tu sors là, prends, tu te piriges avec ça. Tu comprends tous ces français et puis tu chopes. Tu comprends tous ces français et puis ta vie n'est pas. Ta vie est bloquée en blocage là. Hein? Tes doigts viennent taper de ciment. Et à tes doigts, on dirait tu tapes ciment. Tes doigts viennent taper de ciment là. C'est toi qui ouvres ta gueule, tu t'assois dans la voiture de pain en fou pour raconter ta mère, pour dire que tu parles le français. Moi, je ne suis pas une école, hein, Facebook. C'est pas une, je suis naturel, je ne me force en rien. Je ne vais pas venir me donner une personnalité que je ne pourrais pas supporter. Vous aimez vivre au-dessus de vos moyens, même dans le genre, vous vivez au-dessus de vos gens. Pourquoi vivre au-dessus de son genre? De toute façon, tu as le genre, de toute façon, tu es là, reste comme ça. Tellement vous forcez, là, vous savez que vos gens, là, ça fait joker. Arrêtez d'emmerder. Hein? Vous forcez comme ça. Ton genre fait Irénée. Il faut être naturel. Si tu es vraiment une fille qui a reçu d'éducation, qui parle vraiment le français, ça se sent. Tu forces trop. Ça se voit que tu as appris tous tes mots là sur Google Tradition. Ça se voit, ma chérie. Tu forces trop. Sois naturel, sois zen. Ça se voit. C'est pour ça que j'imagine que tes vidéos que tu fais là, tu dis non, c'est pas bon. Tu refais. Tu dis non, c'est pas bon. Sinon, fais directement parce que tu parles français. Donc, tu places les mots sur les mots. Tu as fouillé, il y a un cahier, il y a Adoise devant toi, tu as tout écrit dessus et puis tu es là, tu répètes. C'est pour ça que tu fais tes vidéos enregistrées. Fais direct, on va voir si tu ne vas pas te tromper dans un mot. Arrêtez un peu vos bêtises là. J'imagine les vidéos avant de poster là, tu fais au moins 100 vidéos. Enfouillé dans ton téléphone, tu as répété au moins 100 fois. Non, ce n'est pas bon, je me suis trompé. Et ce n'est pas comme ça, hein. On connaît ça. Donc ferme ton con et puis tu continues ta poste pute et puis tu avances et dis à ta tante là. Quand on est vieille et puis qu'on a beaucoup de corps là, on reste dans son coin, on ne se mêle pas des enfants. Parce qu'aujourd'hui, elle vient se donner un genre, je ne réponds pas. Sinon, c'est toi, madame, tu t'es levée pour venir parler des gens. Qu'aujourd'hui, tu veux mépriser. Non, je ne réponds pas. Donc, tu savais très bien que tu avais des gens qui te suivaient et puis tu as ouvert ton conçu à faire des gens. Quand tu as des gens qui te suivent, quand tu as des avocats, tous ces avocats et toutes ces audiences qui confondues, qui te suivent là, d'après toi là, on ne se mêle pas des choses qui ne nous regardent pas. Moi, je ne peux pas concevoir qu'il y a des gens qui me suivent. Il y a des gens qui m'encadrent. Je suis une personnalité pour d'autres personnes. Et puis, je vais venir me mêler. C'est toi qui t'es levé, tu as parlé de Makosso. Donc, quand tu parlais de Makosso, là, ton avocat, là, tu l'as pas consulté d'abord. Quand tu es venu faire la morale à l'enfant de ta camarade, là, ton avocat, là, tu ne l'as pas consulté. Madame Piscine Gonflable. Quand tu venais faire la morale à Lolo Beauté, là, tu n'as pas consulté ton avocat. Donc, tu ne savais pas que quand tu vous parlais dans votre gueule là, vous ne savez pas qu'il y a réplique après quoi. Tu avais 4 vidéos que tu fais sur Lolo Beauté. Elle te répond maintenant, je ne te réponds pas. C'est plus fort que toi. Tu ne t'attendais pas à ça. Elle t'a mis. Bye. Arrêtez de chercher les yeux pour avoir Apollo. Elle t'a chifflé dans ton œil, tu as vu flash. Je ne réponds pas. Quand on ne répond pas, on ne parle pas. Voilà. Quand on ne répond pas, on ne parle pas. Donc, fermez-la. Arrêtez un peu vos gens là. Maintenant, si vous êtes trop intellectuel, allez dans les bureaux du Canada, allez travailler. On a besoin de vous là-bas. Ici sur Facebook là, c'est mère con aligné matin, midi, soir. Et puis prenez ça. Chaque matin, midi, soir, je vous donne ça comme un petit déjeuner. Si, si.
Voilà. Quand tu es intellectuel, quand tu dis que tu as reçu d'éducation, là, tu ne viens pas parler des vulgarités et puis après venir, genre, tu vas te replier. C'est les gens qui n'ont rien à faire, les gens frustrés, les gens complexés, là, c'est eux qui vont vous suivre. Sinon, moi, vous ne pouvez pas m'intimider. Si c'est votre moi, là, vous ne pouvez pas m'intimider. Parce que vous êtes que des zéros. Pour moi, vous êtes comme tonneau vide, préservatif sans sperme, c'est vous. Vous ne pouvez pas m'intimider. Donc, ceux que vous intimidez, là, ce n'est pas moi. Regardez-moi bien. Je n'ai peur de personne. Voilà. Je n'ai pas eu peur de quelqu'un pour être sur la terre. Donc, je vais mourir sans avoir peur de quelqu'un. Ça, c'est clair. Il faut que ça rentre dans votre tête. Bon, de n'importe quoi. Tu vas venir t'asseoir, tu dénigres les enfants, tu dénigres les jeunes filles, tu viens parler, dénigrer ma console, le traiter de n'importe quoi. Après, c'est toi qui dis, je ne réponds pas. Non, tu n'as pas consulté ton avocat avant de venir mettre ta baisse gueule dans la tête des gens. Ta triple baisse de gueule, là, madame. Tu n'as pas consulté ton avocat. Non, c'est ton avocat qui t'encourage de mettre ta bouche où ton anus n'arrive pas. Hein? Hein, Saint-Tu, tu as accroché vers ton truc pour vouloir. Tu parles et puis tu es étouffé, là. Lunettes, tu as mis sur toi, on dirait. Amadou et comment on s'appelle? Amadou et puis quoi là, mais Mariam là. Hein, on a les petits clowns là. Les petits jouets en paye, cadeau de Noël pour les enfants et puis ils ont des lunettes là. Faut te voir, tu es assise, l'entendre de blasphémer. Quand tu viens sur internet, faut savoir pourquoi tu es là. Où tu mets tes pieds là, il faut savoir si c'est pas caca, tu es dans caca de poulet, tu as déposé. Parce que quand tu vas enlever là, il y a caca de porc qui est en bas de toi. Point de n'importe quoi. Que, hein, je ne pas, je ne défends pas, je me rabaisse pas, mon avocat, monsieur. Donc toi, avant de parler là, avant de venir parler, dis que tu recadres les gens là. Tu n'as pas consulté tes avocats? Tu n'as pas consulté tes avocats? Hein? Ou bien tes avocats là, eux t'ont encouragé de venir parler aux gens. Oui, mon cœur. Il y a quoi? Je suis en direct. Attends, il est fini, je te rappelle tout ce que tu as bien m'expliqué. Un bisou. Tu vois? Donc, il faut arrêter un peu vos gens, là. C'est même pas chic. Hey, vous n'êtes même pas chic. Vous ne pensez pas que vous pouvez... Vous ne pouvez pas... Écoutez-moi très bien. Chacun naît avec son étoile. Parce que vous me voyez là. J'ai mon genre, j'ai ma personnalité. Et puis, j'ai mon étoile. Il n'y a que Dieu qui peut appuyer sur le bouton et puis ça se teint. Vous n'êtes personne. Si je ne vous réponds pas souvent, c'est parce que je trouve que j'ai d'autres choses à faire. Quand j'ai le temps, je viendrai vous recadrer comme il le faut. Je suis votre chef. Et puis, c'est validé. Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de moi, je suis votre, c'est moi, je vous fabrique. C'est moi, je vous fabrique. Je suis votre fabriqueuse. C'est moi, je vous fabrique. Sans moi, vous n'êtes rien. Sans nous, vous n'êtes rien. Sans Yaka, sans Lolo, sans Apoutou, vous n'êtes rien. C'est nous qui vous fabriquons. Donc, acceptez ça et puis fermez vos cuits. Sinon, tu pouvais venir faire ton tête direct sans mentionner des choses qui ne te regardent pas. Parce que quand tu es une femme, quand tu dis que tu as de la personnalité, et quand tu dis que tu es une femme responsable, et que tu es une femme qu'on respecte, tu ne te mets pas dans une piscine avec ton corps de taureau pour raconter la merde sur la vie des maris des autres. Tu as garçon devant toi, occupe-toi de ton mari. Si tu venais même te mettre sur internet et puis tu enlevais les poils blancs qui sont sur le visage de ton mari, là. On m'a dit, la fille, là, son cou, c'est chic. La tante là, elles ont beaucoup de corps, mais elle est chic, elle n'est pas complexée. Faut venir, ouvre les narines de ton mari et tu enlèves les poils qui sont dedans là. Au moins c'est un travail, on sait que tu es dans la piscine, tu es en train d'enlever les poils qui sont dans les nez de ton mari. Mais non, toi tu laisses poils qui est en train de pousser blanc dans le nez de ton mari là, avec sa barbe jaune là, avec son ventre qui est devant lui, faut faire thé, il va boire là. Viens payer, wonderful, ton mari va boire pour être déparasité là. Son ventre devant lui, André, il y a 178 verres dans son ventre et puis il est bizarre là. Non, hein, tu ne fais pas ça. Tu veux t'asseoir là, tu es dans la piscine gonflable et tu t'occupes du mari de quelqu'un d'autre. Ça se fait? Si quelqu'un vient te dire aussi, madame, pourquoi tu ne prends pas soin de ton mari pendant que tu es ton mari, tu es en direct. Tu vas nous dire que, est-ce que c'est nous, on doit éduquer ton mari ou bien on doit éduquer ton foyer. Vous faites des années dans les foyers, mais vous n'êtes pas loveuse. On doit tout vous apprendre. Une vieille sans love. Tu n'as même pas de love dans ton corps. Parce que mari, là, même, c'est pas pour toi. C'est parce que tu as pris ça dans la main de ta tante. On parle de ça quand j'ai fait mes études au Canada. Et puis quoi? Donc, tu as fait tes études au Canada, mais tu t'assois là pour te mêler de ce qui ne te regarde pas. Il n'y a pas de travail au Canada pour toi. Il n'y a pas de travail dans les bureaux du Canada pour toi. Hein? Tu ne peux pas te trouver un poste là-bas à faire. J'ai fait tes études au Canada. J'ai fait tes études. Quand j'étais en train de faire mes études au Canada, vous étiez en train de vous prostituer. Donc, si je comprends bien, tu as fait tes études au Canada. Pendant que toi, tu faisais tes études au Canada, moi
Et ma grande soeur Loloboté, on était en train de se prostituer. Tu as fini tes études, tu viens répondre aux prostituées. Donc toi, tes études, tu as fait là. Il n'y a pas de travail pour toi au Canada. Donc il faut venir parler aux prostituées. Donc toi, dans ces études de prostitution, tu allais apprendre alors. Ces études de prostitution, tu allais apprendre. Parce que c'est Revenant qui connaît son ami Revenant. Donc si tu nous traites de prostituées, c'est que tu es notre grand-mère. Parce qu'on s'arrête sur le même banc. On fait le même racoulage. Donc arrête un peu et ferme ta bouche, maman. Et reste dans ton monde. Ressors de notre monde. Parce que ton camp que tu es en train de former là, ça va devenir amer dans ta bouche. C'est juste un conseil. Je ne vais pas durer parce que je reviens bientôt. Je vous fais de gros bisous d'amour. Et je vous aime. N'oubliez pas de prier pour Akpama. N'oubliez pas de prier pour Akpama. Non, on rigole. Mais il faut prier pour Akpama. Akpama, ferme les yeux. Je ne veux pas un truc, mais je prie dans mon cœur. Ferme les yeux, Akpama. Amen. J'ai prié pour toi, Akpama. Que Dieu te protège. Que Dieu ait pitié de ton âme. Que Dieu ait pitié de ton âme. Que Dieu accepte et que Dieu te délivre. Ce n'est pas de ta faute. Akpama, prends soin de toi. Sinon, c'est folie qui va te prendre. Watakoputs. Maman, retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Parce que ici, nous, on va te piriger avec acide. On va te piriger avec acide. Si, si. Si c'est sur les Ivoiriens, tu es arrivé là. Tu ne vas rien comprendre. Où tu vas comprendre? Ton cul est en train de te brûler. Prenez soin de vous. Je reviens tout à l'heure pour un direct dangereux. Et encore pour les cassements de papou. Moi, je ne rigole pas. Appelez-moi Aya Robert, chinoise de Didier Arafat. Ça peut jamais chauffer. Oui, il y a cassé dans la boîte. Bonne soirée.